gens me demandent souvent d'où provient mon inspiration. Eh bien, d'ici même. Cette pièce est pour moi une vraie boîte à surprises. Je m'appelle Ray Bradbury. Et voici... Comment te sens-tu? Très bien, mais il dit qu'il ne va pas tarder à arriver. Sois tranquille, on sera à la maison dans 6 heures. Ces nouvelles mater-machines font tout sauf remplacer le père de l'enfant. Super machine qui se concentre sur l'essentiel. Bonjour, monsieur Horn. Bonjour, docteur. Polly. Cela peut sembler étrange à un stade aussi avancé, mais l'OB3 étant une technique plutôt récente, nous donnons aux parents la possibilité en dernière minute d'opter pour l'accouchement conventionnel. Oh non, nous voulons ce qu'il y a de mieux. Nous avons lu les données. L'OB3 est une technique recommandée par les meilleurs obstétriciens du monde aujourd'hui. C'est bon pour le bébé, n'est-ce pas? Sans aucun doute, oui. Alors ça doit l'être pour nous. Elle est prête, docteur. À tout à l'heure, Pete. Avec notre enfant. Parfait. À plus tard. Allons-y. Voulez-vous boire quelque chose, monsieur? Un café noir avec sucre, je vous prie. Tout de suite. Tout est sous contrôle, docteur? Tout est sous contrôle. Alors, nous y allons. Infirmière. Oui, docteur. J'avais dit noir avec sucre. Désolé, monsieur. Erreur de ma part. Ouais. La patiente est stabilisée dans un profond sommeil. Molécule stable. Évaluation 104 sur 5. Monsieur Horn. Polly? Polly va bien. Et l'enfant? Je vous en prie, suivez-moi, monsieur Horn. Et que s'est-il passé? Nous y sommes presque. Mais tu sais, j'en crois rien. Monsieur J'ai Horn? J'ai l'impression de rêver. Mais c'est vivant. Ah oui, enfin, c'est... Et où est Polly? C'est quand même... Dans la salle de réveil. Et le bébé? Dans le rapport? Là. Je vous en prie, je vous en prie. Vous devez comprendre, ceci est votre enfant. Non, non. Mesdames, messieurs, voulez-vous nous laisser un moment, je vous prie? Oui, bien sûr, oui, docteur. Bien sûr. Lors de la première entrevue, on vous a expliqué de quelle façon la mater-machine fonctionnait. On ne nous avait pas expliqué ça. Cela sort les molécules de l'enfant du corps de la mère, puis cela les réassemble au même instant à l'extérieur. Mais votre damnée machine a fait une erreur, je suppose. Dans cette occasion, il y a eu rupture de structure dimensionnelle. Élément défectueux. Bien, bien, docteur. Vous venez me dire, voici votre enfant. Voici votre enfant. Que voulez-vous que je fasse avec ça? Que je le vende à un cirque, sans doute? Qu'est-ce que vous avez fait, docteur? Je vous en prie, monsieur Horn. Vous devez comprendre. Ceci est votre enfant, vivant et en bonne santé. De quoi parlez-vous comme ça? Qui a-t-il avec mon bébé qui vous demande de si longues discussions? Non, je t'en prie, chérie, il non. Il est là? Non, 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 je veux le voir. Non, il ne faut pas. Non, il ne faut pas.
Il ne faut pas. Je suis désolé. Oh mon Dieu! Je suis désolé. Je suis désolé. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce moi qui ai fait ça? Est-ce moi qui ai fait cet enfant comme ça? Non, Polly, ce n'est pas toi. C'est l'OB3. Est-ce que c'est un monstre génétique, docteur? Non. Non, non. Votre enfant est venu au monde dans une autre dimension. Sa forme nous est étrangère. Je veux le voir. Je veux le tenir contre moi. Comment faire? Vous ne pourriez le voir que si vous étiez dans sa dimension, ou lui dans la vôtre. D'accord. D'accord. Alors j'attendrai. Tu attendras quoi? Que notre enfant soit vraiment venu au monde. À l'intérieur de cette pyramide. Au milieu de cette couleur. Notre vrai bébé vivant. Oui. Alors, vous et votre machine, vous me la ramènerez. Vous le ferez réapparaître. Comme un lapin dans un haut de forme. Oui. Nous pouvons essayer. New York, section criminelle. Cette semaine, un double meurtre pour cacher l'existence d'un faussaire. Elle a été découverte dans l'atelier de M. Bernard Jackson. Elle a été droguée. Des donateurs qui offraient un tableau au musée. À Monet. Votre remarquable Monet pourrait bien être un remarquable fou. Toute cette magouille est très bien montée. Ils vont pouvoir très facilement tout nier. New York, section criminelle. Ce dimanche midi et 20h. TVA est la télé numéro 1 au Québec. TVA détient 24 des 30 émissions les plus regardées à la télé. Le Gala Metro Star occupe la première position. TVA, le leader de toutes les télévisions au Québec. Un policier congédié devient un chauffeur de taxi téméraire, prêt à tout pour aider ses clients. Le justicier de l'ombre, dès le 7 juin, à Mystère. La performance de votre véhicule commence à s'essouffler? Renseignez-vous auprès des professionnels Silencieux Speed 10 minutes sur les silencieux de performance Dynomax. Ils fourniront la puissance nécessaire pour monter les côtes et remorquer de lourdes charges. Chez nous, ça roule avec performance. Voici le Ab King Pro. Conçu pour vous donner des abdominaux plats, sexy et durs comme le rock, plus facilement et rapidement que tout autre produit sur le marché. En effet, le système Ab King Pro vous garantit que vous perdrez 5 kilos en 10 jours ou nous vous remboursons. Ne souffrez plus au dos. Le système de support du Ab King Pro maintient votre dos et votre cou. Imaginez perdre du poids en regardant la télé. Aussi, le Ab King Pro offre 4 niveaux de résistance. Il est parfait pour tous les niveaux de mise en forme et il est pliable pour un rangement facile sous le lit. Ces grosses machines coûtent 8 000 $. Cette machine ne supporte pas votre dos. Le Ab King Pro remplace toutes ces machines. Et maintenant, avec cette offre télé exclusive, elle peut être à vous pour 6 paiements faciles de 29,99 $. Mais attendez, si vous téléphonez dans les 20 prochaines minutes, nous faisons un paiement pour vous. Appelez maintenant pour commander le Ab King Pro. Et rappelez-vous, nous ferons un paiement pour vous, alors il peut être maintenant à vous pour 5 paiements faciles de seulement 29,99 $, plus les frais de port et manutention. Nous avons de la chance de vivre dans une île comme ça, personne ne peut le voir. Je n'ai pas dit ça. Moi, je l'ai dit.
Tu n'as pas pleuré. Je ne pleurerai pas. C'est mon bébé, oui, il le sera bientôt. Le docteur Woolcott dit que ses besoins sont les mêmes que ceux des enfants normaux. Il lui faut des soins. Je suis sa mère. Je sais comment on va l'appeler. Midal. Midal? Un diminutif de pyramidal. Mon petit Midal. Tu sais ce que je pense? Tu es vraiment merveilleuse. Écoute, le docteur Woolcott nous le rendra, mais cela risque d'être long, peut-être. Oh, je peux attendre, Pete. Si je sais que finalement tout s'arrangera pour lui, je ne serai ni traumatisée ni quoi que ce soit. Je nous donne 6 mois. Ensuite, je me tuerai peut-être. Pour l'affaire. Donc la seule question en litige est la date de livraison. Si vendredi tu peux me dire quand tu peux livrer la commande, nous pourrons conclure avant le week-end. À propos, comment ça s'est-il passé? Bien, j'espère. Salut mon vieux. Je me demande comment il nous voit. Woolcott dit... comme des formes géométriques. Cela semble étrange. Il sait dire dada. Allez, dis-le, dis dada. Oui. Polly. Il est fantastique. Même sa voix est dans la 4e dimension. Quand il saura parler, nous lui apprendrons le monologue de Hamlet. Et jamais on n'en aura entendu une version plus moderne. Je t'en prie, arrête, Polly. Polly? As-tu déjà fait un cauchemar tout en étant éveillé? Crois-tu que ce soit utile? Eh bien... je n'ai plus grand-chose d'autre, je crois. Des semaines, des mois, des tests, zéro. On va le ramener. Écoute. Il est plein de vie. Il est heureux, il t'aime. Tu ne comprends rien. Je veux le voir, Pip. J'ai besoin de le voir. J'ai fini. C'est super. Avec ça, le bébé n'entend plus rien. Parfait. Hé, hey, vous avez une volière? Une volière? Des canaries, des perruches, des oiseaux, enfin. Oh, oui. Oui, on en a une. C'est chouette. Le bébé va adorer. Oui, le bébé va... Oh, arrête, s'il te plaît. Très bien. Très bien. On va faire un tour. Eh bien, j'espère que ça ira, monsieur. Hé, hey, c'est mignon. C'est un jouet pour le bébé? Ou une veilleuse? Est-ce que c'est fini? Bien sûr, madame. Eh oui. Bien. Bon sang, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'était pas grave, venez. Merci beaucoup. Yeah.
Molly. Il s'est endormi. Oui, il va bien. Et tu as vu sa couleur, un bien joli bleu, c'est un signe de bonne santé. Écoute, Polly, ils vont bientôt trouver quelque chose et nous dire que nous avons un vrai bébé. Écoute, Peter, nous allons vivre cette situation du mieux que nous pouvons. Le gars qui a fait la nurserie, il a eu une idée géniale. Il a dit que Midal était mignon, une sorte de jouet. C'est comme avoir un chien ou un chat chez nous, hein? Oui, Hélène, c'est vrai, il est magnifique. Son père me l'a rapporté d'un voyage d'affaires en Afghanistan. Écoute, je... Il faut que j'aille en ville demain afin de signer pour l'affaire de Spencer. J'en ai pour 2 ans. Je me demandais quand tu en aurais assez de discuter avec ton ordinateur derrière ton bureau. Mais voyons, tu es folle. Non, je crois qu'on ne devrait pas continuer à vivre en ermite. Nous devrions essayer de mener une vie normale, enfin. Et nous devrions voir nos amis comme nous le faisions autrefois. Je crains que ce ne soit pas une très bonne idée, chérie. Meilleur que tu ne crois, parce que les gens prennent bien mieux ces choses que tu penses. Ne fais aucune mention du bébé et ils croiront qu'il a cessé d'exister. Mais il existe, tu le sais. Oui, je sais qu'il existe. Il n'est pas encore né. Eh bien, ton père avait une envie terrible de ficher le camp, mon ange. Salut, Pete. Oh, Pete, Pete, regarde qui est là. Don et Mary Bill et Sheila. Viens, mon chéri, j'ai pensé que ce serait amusant de leur montrer Midal. Il est très intelligent. Où l'avez-vous trouvé? Oh, Pete, toi, tes jouets sophistiqués, c'est génial et c'est gazouillis. Que vont-ils inventer par la suite? Il est affectueux aussi comme un chien, un chat ou un bébé. Écoutez, je m'excuse, mais je dois vous demander de nous laisser, s'il vous plaît. Bien sûr, Pete. Nous remettrons ça. Oui, non. Ça défoule de se laisser aller, Pete. Hein? Tu veux peut-être me battre pour te calmer, hein? Tout a si bien fonctionné jusqu'ici, on est si heureux, hein? Avoir un bébé nous a vraiment rapprochés tous les deux. Ça fait de nous une belle et heureuse famille, pas vrai? Pour Betty? Je suis prêt. Ouais. Je pense que je garde Betty. Je pense pas, moi. Les pneus performance G-Force de BF Goodrich.
prenez le contrôle. C'est l'événement Pompée Party de Saturne. Procurez-vous une Relay de Saturne et obtenez le lecteur DVD sans frais sur certains modèles. Et pour un temps limité, économisez 20 cents par litre d'essence durant un an jusqu'à un maximum de 2500 litres. Rendez-vous chez votre détaillant pour l'événement Pompée Party de Saturne. Cette semaine, à Las Vegas, la ville est plongée dans une noirceur dramatique. Un homme est mystérieusement abattu. Il y a un tueur parmi nous? La tension monte au casino. Une soirée sombre pour le Montecito. Las Vegas, lundi à midi et 20h. Vivez vos rêves! Activités en abondance, mer et espace à perte de vue. Mettez le cap sur la nature grandiose de la Gaspésie. Vous y vivrez un tour de découverte unique. Vivez vos rêves! Une foule d'activités, gens accueillants et paysages grandioses. Mettez le cap sur la Gaspésie. Vous y vivrez un tour chargé de plaisir. Explorez une dimension exclusive à Helico Télénumérique de Vidéotron. Jusqu'au 19 juin, profitez de la promotion, vivez l'expérience Helico sur demande. Cette semaine, rendez-vous au canal 900. Commandez Blade 3 à la Trinité avec Wesley Snipes et courez automatiquement la chance de gagner un séjour à New York, incluant une découverte nocturne en limousine. Vidéotron, le pouvoir infini du câble. Cet été, Mystère diffuse du cinéma à profusion. De l'action, des enquêtes et du suspense à vous couper le souffle. Ne manquez pas nos projections renversantes tous les jours sur Mystère, l'étrange télé. Selon BBM Vert 2005, TVA est la télé numéro 1 au Québec. TVA détient 24 des 30 émissions les plus regardées à la télé. Le gala Metro Star occupe la première position. TVA, le leader de toutes les télévisions au Québec. Est-ce que tu peux m'entendre, mon ange? Mon bébé. Mon bébé. Désolé d'être en retard, ça n'a pas été facile de venir aujourd'hui. Je vous en prie, asseyez-vous. On dirait que vous n'avez pas dormi depuis des années. Des siècles. Alors, docteur, allez-vous enfin nous annoncer une bonne nouvelle? Eh bien... Je veux dire, êtes-vous sûr que vous serez capable de ramener le bébé à une forme normale? Je le crois, oui. Je ne crois pas qu'on puisse supporter ça plus longtemps. Nous avons une autre solution que l'on peut envisager pour l'instant. Une autre? Il ne s'agit pas de ramener Midal d'un monde qui, pour l'instant, est le sien. Je ne peux pas, à l'heure qu'il est, ramener Midal dans cette vie. Mais je peux faire le contraire, vous envoyer dans la sienne. Je peux répéter la manœuvre erronée qui a donné à Midal sa forme actuelle. Et je peux vous envoyer dans la quatrième dimension. À quoi cela ressemblerait-il? À vos yeux, votre corps et votre taille auraient toujours l'apparence que vous lui connaissez, mais la pyramide deviendrait un bébé. Mais, et comment les autres nous verraient? Comme une pyramide et deux obélisques, peut-être bien. Des phénomènes. Non, Pete, une famille. Est-ce que je verrai mon bébé enfin tel qu'il est? J'en suis persuadé. Je veux le faire, alors. Polly, tu vas complètement gâcher ta vie. Je serai avec mon vrai bébé, ça m'est égal. Ne fais pas cette folie. Pense à nous. Nous l'aimerons comme il est. Nous essaierons d'avoir un autre enfant.
Midal est mon bébé et je l'aime. Et moi, Polly, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Je te demande de rester, alors. Je t'en supplie. Je dois rejoindre mon bébé, Pete. Je suis navrée. Dans la joie et la détresse. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous êtes prêts? Oui. Vous comprenez qu'il peut se passer bien du temps avant que je puisse vous ramener. Bien sûr, docteur. Dieu vous bénisse. Docteur. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent. Oui. De la puissance de l'amour.